La famille Tounassi fait ses derniers hommages à leur maman, y compris la famille présidentielle et toute la RDC. On va vous mettre la vidéo. Et on a été ici, je ne sais pas si vous avez su, qu'est-ce qui a tué la femme? On a l'audio de l'une de ses proches qui nous dévoile le secret. J'étais assise par terre. On va écouter d'abord le discours, hein, qui était en direct de la deuil de Maman Blanche Tounassi. On va écouter, on va voir d'abord la vidéo et puis on va écouter réellement la cause principale. Bien que son mari a dit, mais ça fait deux langages différents. Ça fait deux langages différents. Quand vous allez écouter son mari et quand on va mettre l'autre audio là, parce qu'il y a des rumeurs qui sortent, alors on veut que vous écoutiez ça de vous-même ici chez nous, chez le stress. On vous dit quoi? Chez le stress, on vous dit quoi? On ne vous déposera jamais quelque part. On va vous déposer jusqu'à la gare. Alors, voici la gare de cette histoire. Où, si c'est la gare, là, c'est aujourd'hui. Car vous allez écouter l'audio de la femme après avoir regardé le discours de la Dei. Alors, on ne peut pas passer à la vidéo sans vous saluer. Vous qui êtes devant nous, nos salutations à tout le monde. Peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez. On vous envoie vos salutations, mais une très spéciale salutation à nos abonnés, à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Aussi, sans oublier les guetteurs. Guetteurs, salutations à vous. Et on salue aussi les nouveaux venus. Donc, vous êtes ici nouveaux. Faites-vous abonner déjà à partir d'ici chez Lio Stress. Cliquez sur la cloche de notification. Aimez la page, partagez et surtout, commentons nos vidéos très gentiment car ici là on est très gentil. Suivons ces discours, suivons le dernier parole des mamans blanches envers sa famille. Elle a dit quoi? Suivons son mari en direct. Voici la vidéo. Retrouvons tous ensemble et qu'à la fin de cette vidéo, ne commentez pas à partir des titres, ne commentez pas à partir de cette introduction. Alors, c'est très mieux d'écouter. Je sais bien qu'aux analyses de Lio Stress, il y aura plein des histoires qui ne vont pas plaire à certaines personnes ici. Mais quand c'est la vérité là, on est obligé de dire la vérité. Même si ça fait mal. On a dit toujours, quand vous aimez quelqu'un, c'est très mieux de dire la vérité à la personne. Alors, je sais qu'il y a d'autres histoires que vous allez écouter ici. Ça ne va pas vous plaire. Surtout l'audio qu'on va vous mettre là. Ça ne va pas vous plaire. Certaines des gens ici, ça ne va pas vous plaire. Alors, on n'a pas le choix. Parce qu'on ne veut pas que ce soit des rumeurs. On veut que vous écoutiez de vous-même l'audio après avoir suivi cette vidéo. Suivons tous la vidéo. Si je ne pleure pas, c'est parce que j'ai déjà beaucoup pleuré. Parce qu'elle est morte, j'étais là, seul, à Istanbul. J'ai pleuré des nuits et des nuits et des nuits. J'ai fait 3 jours sans dormir. Et maintenant, la paix de Dieu commence à remplir mon cœur. Elle devait faire une opération très simple et ça a pris beaucoup de temps. Et j'ai dit au médecin, comment ça prend beaucoup de temps comme ça? Ils m'ont dit, tout s'est bien passé, mais elle ne se réveille pas encore. Quand seulement ils m'ont dit ça, mon esprit m'a dit qu'elle est partie. J'ai dit non. C'est pas vrai, elle n'est pas partie. Ils sont en train de dire qu'ils la raniment, donc elle va se réveiller. 3 heures, 4 heures, toujours rien.
Et j'ai prié, prié dans ma chambre sans voir son corps. J'ai dit, je refuse cela. Et j'ai senti l'odeur d'un parfum, son parfum, remplir la chambre où j'étais. Elle était au bas, moi au septième niveau, mais j'ai senti le parfum de Blanche. Et l'esprit m'a dit, c'est son esprit, elle est morte. Et les médecins n'ont pas le courage de te le dire. Elle est remontée et puis elle est partie. J'ai dit non, ma femme est vivante. On est en train de la réanimer. Je suis descendu au bloc. J'ai dit, montre-moi ma femme. Et les médecins sont sortis, tête baissée, en pleurant. Et j'ai compris qu'elle était paralysée. Je suis entré dans la salle de réveil. J'ai prié pour sa résurrection. J'ai prié. J'ai jamais prié comme ça pour quelqu'un. J'ai même ouvert ses yeux avec mes doigts. J'ai tout fait. Elle ne s'est pas réveillée. Je l'ai laissée à la mort. Le lendemain, je suis encore allé à la mort pour prier pour sa résurrection. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Rien n'est arrivé. Quand nous sommes arrivés à Kinshasa, à la morgue encore, avant de la déposer, j'ai prié, prié pour sa résurrection. Et rien n'est arrivé encore. Aujourd'hui encore, à la morgue, j'ai encore prié, prié, et elle ne s'est pas réveillée. Blanche savait qu'elle n'allait pas durer sur terre. Plusieurs fois, elle me disait des choses comme ça. Une fois, on était dans la piscine avec tous les enfants. Je lui ai dit, rejoins-nous, viens nager avec nous. Elle était au premier niveau, elle nous regardait. Et puis, quand je suis sorti, je lui ai dit, pourquoi tu n'es pas venu t'amuser avec nous? Elle m'a dit, une voix m'a dit, que je partirai et je vous laisserai, vous serez heureux sans moi. Je lui ai dit non, ça c'est le diable, refuse cela. Elle a dit ok, un autre jour, elle me dira, si je meurs, est-ce que tu vas te remarier? J'ai dit pourquoi tu dis des choses comme ça? Elle dit non, je parle seulement. Avant de voyager samedi, vendredi, à l'occasion de la graduation de son fils aîné, Orac, elle a offert 3 motos neuves à ses 3 anciens travailleurs pour leur dire merci pour tout le temps passé ensemble. Elle sentait. Sa sœur, c'est ma copine. Là, je dis, mon ami, bon, mais le quoi, bah, chirurgie esthétique. Dans moins de 3 ans, ceux qui 4 ans, ouais, ça vient moi 5 fois. A qui d'accord, quand ça m'en est bon, à comment la taille fine. À ça, dit ma soeur, quoi. Guéwana, qui d'accord, qui se bat du miné, bah, mes souvenirs, ma beau. Cette fois-ci, elle m'aimait. Cette fois-ci, Mémé, hein?
Blanche a toujours été une très jolie fille. La famille n'a pas c'est qui tourne. Mais le pasteur a péquissé été. Bibi chasse qui caractère en lettre, n'est pas de la quantité. Après quelques temps, Bibi chasse, il dit en lettre, oui, que moi, je suis aussi sous que ça et ça. Taïko, le quête comme un mouquier, hein, au moins des accords. Le quête comme un mouquier, ma sain et panzana, si quoi, passé pour ma loquette ou mouquier, parce que ça a servi sous ma bénie. Dernièrement, Azoba m'a dit que je suis examiné, 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 pour une fois, nous abonner à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco, sans oublier les guetteurs, les gens les plus méchants de la terre. Eh, guetteurs, vous êtes méchants. Seul Dieu voit. Bon retour aussi aux nouveaux venus. Donc, vous êtes ici, nouveaux. Vous nous avez surpris. Vous nous avez appris à partir de la vidéo ici. C'est interdit exclusivement de sortir sans vous faire abonner chez Helios 13 et de cliquer sur la cloche de notification. Hein? Si vous allez aimer, partager là, c'est après. Vous allez commenter là. Donnez-nous vos avis dans cette vidéo ici. On vient de suivre le discours final du pasteur Marcelo Tounas qui était en train de rendre hommage à sa femme. Il y avait deux chemins différents que je vous avais dit au début de cette vidéo ici. Que il y a deux chemins différents. On a écouté le pasteur a dit quoi? Il a dit que sa femme est décédée suite à une courte opération. Donc, simple opération. Mais ça a compliqué. Vous avez écouté, il a dit, il a prié. Oh, mais c'est ici chez nous, chez Helios 13, non? Là où on a dit que il y a un pasteur qui est sorti, qui a dit qu'il veut qu'on lui donne le corps de Maman Blanche pour qu'il prie. Après avoir suivi les audios, je vais vous faire un peu je vais vous traduire un peu terre à terre, comme ça vous allez comprendre. Si vous ne parlez pas ma langue là, je vais vous traduire ça, vous allez écouter. La dame a dit quoi? La dame a dit que la femme du pasteur Marcelo Tounassi est décédée suite à une opération chirurgie plastique de BBL. Elle a dit ça clairement dans ma langue que la femme est décédée suite à une chirurgie plastique de BBL. Si vous avez les gens qui parlent ma langue là, allez leur demander. Vous allez écouter ce que moi je viens de dire. Derrière la vidéo ici, montrez cette partie à la personne qui parle Lingala. La personne va vous faire une translation. Donc, translate ce que la dame a dit. Si vous regardez la dame, c'était une très belle femme. La femme l'a dit même. C'est une très jolie femme. Elle a dit quoi la dame dans l'audio? Elle a dit quoi? C'est la plus belle de la famille. Donc, elle était la plus belle de la famille. À passant, je vous fais note que la dame fait partie du tribu de mon père. La tribu de mon père, là, ils font sortir des très jolies dames. Des très jolies dames. En regardant la dame, elle était très jolie. Moi, je ne savais même pas. Quand on m'a dit que c'était BBL, j'ai dit que non, ça ne peut pas être BBL. Ça peut pas être BBL. En la regardant comme ça, vous allez voir que c'est une très jolie femme. Or, que c'était BBL. Quand j'ai écouté les audios, j'ai confirmé, dire, oh, combien de fois? 5 fois, elle a fait. Et puis, elle disait que non, elle va enlever diminuer un peu le bras parce que vous voyez quand les femmes grandissent, non? Ici, ça devient gros et puis, c'est normal. Ce n'est que normal. On va pas rester éternel. Non, on va vieillir un jour. On va vieillir. On va devenir des vieilles ici sous la toile. Hein? Ce n'est que normal. Combien de fois cette opération a tué des gens?
Combien de fois, il y avait même une autre chroniqueuse, l'année passée, j'ai oublié son nom, hein. C'est aussi de la tribu de mon père. Si vous regardez la fille là, vous regardez Madame Tounas, si vous allez voir que non, 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 ce sont des très belles femmes, ce sont des très jolies femmes. À cause de BBL, elle a laissé ses enfants, y compris un bébé d'une année, à cause de BBL. Mais cette histoire, je ne sais pas si c'est la gare ou j'ai dit ça comment, je ne sais pas. Parce que maintenant, les vérités commencent à sortir. Parce que le pasteur, vous avez écouté, non? Vous avez suivi. Il a parlé en français. Il a parlé, il a fait les discours en français. Vous avez écouté qu'il a dit que c'était une petite opération. Mais il n'a pas dit c'était quelle opération. Si c'était que non, elle était partie et donner naissance, on allait écouter que non. Ah, elle était partie donner naissance, elle est morte. C'était que non, c'était l'opération de l'œil, ça l'a compliqué, elle est morte. Non, c'était l'opération des seins là, elle avait ça. Et puis, mais. Il n'a pas précisé. Alors, vous allez nous donner vos avis dans les commentaires. Vous allez nous dire, est-ce que vous croyez en ça, que c'était BBL ou pas? Parce que chez moi, au Congo, on dit quoi? Lola ne peut pas bouger sans rien. L'eau bouge seulement quand il y a du vent, quand quelqu'un touche, quelqu'un passe là, et puis ça bouge. Ou bien si tu comptes de l'eau, ou bien si c'est dans un verre, ou bien bassin ou quoi que ce soit là, ça ne peut pas bouger sans une action. Alors, je ne sais pas si appeler ça rumeur ou quoi, parce que c'est ce qu'on a attendu. Non, moi je savais que non, c'était la goitre. Non, vous connaissez la goitre qui fait ici là comme ça là. Mais on n'a pas vu là où c'était gonflé, parce que là ça va vous gonfler là comme ça, et puis vous allez faire l'opération. La femme n'était pas malade, vous avez vu, elle n'était pas malade. Elle était même dans une fête. Hein? Ils avaient la fête le vendredi chez eux. Il y a plein de vidéos sur TikTok là de la fête. Le samedi, le pasteur dit bien, c'était le samedi qu'il lui-même a accompagné sa femme. Moi, je ne vais pas tamiser les hommes de Dieu, hein, parce que moi, je suis là, je suis humain, je ne vais pas tamiser. C'est Dieu qui sait la vérité. Comme on dit toujours, les seconds noms de Dieu, c'est les temps. Moi, je ne vais pas mettre le serviteur de Dieu en balance. Mais. En même temps, je suis assise ici. Nous sommes aussi les humains. Hein? Nous sommes aussi les humains. Parce que ce que nous avons attendu, c'était Bibiel. Et il y a plein de prophètes, de pasteurs qui condamnent le pasteur Marcelo Tounas d'avoir, at least, accompagné sa femme pour aller faire cette opération qui est très dangereuse. Le corps ici, là. Le corps que vous voyez ici, quand on meurt, on laisse ça. Ça ne sert à rien. Il y a combien de vidéos ici chez nous, chez Los 13, qu'on a fait à cause de BBL? Il y a combien de vidéos ici qu'on a fait à cause de BBL? On a interdit. Il y a même une vidéo récente de Mama Bio ici, chez nous, là où elle montre son corps. Dieu nous a créés tel qu'il nous a créés. Bibi est là, grâce à Dieu, on ne fait pas Bibi sur le visage. Si vous êtes là, vous êtes ici. Et on appelle ça quoi? Laide. Vous êtes laide. On ne fait pas Bibi le visage. Mais la femme là où vous êtes, c'était une très belle femme. Faire Bibi là, c'était pour qui? C'était pour qui? C'est une femme mariée. Faire Bibi, c'était pour qui? Pourquoi? On se pose des questions. Des telles questions, on a reçu des questions. On était dans un meeting. On se pose de ces questions que moi je vous pose ici. Faire BBL pour qui, pourquoi? Ça nous a fait très mal, mais deux fois aussi, on a la vie de connaître la vérité. Si c'est BBL, BBL là, on dit que le second nom de Dieu, c'est le temps, ça ne va pas dormir. Même si ça dort aujourd'hui, un jour, même pas aujourd'hui, même pas demain, même pas après-demain, même pas cette année ici, un jour, la vérité va sortir d'elle-même. Pas même à faire les efforts. Si c'était que c'était quelle maladie qu'elle avait, deux fois on a écouté que non, elle était malade, mais ça n'a, c'était pas, c'était minimisable. Mais c'est la maladie qu'on fait l'opération, elle n'est pas minimisable. Hein? Quand vous arrivez à aller faire une opération à cause d'une maladie, ça ne veut pas dire que c'était maladie minimisable. Ça veut dire que c'était maladie grave, mais pendant qu'on savait que la dame était très bien portante. En train de fêter les samedis. Et vous avez écouté comme le pasteur a dit. Elle savait qu'elle va, qu'elle avait mourir. Comment?
Elle savait comment. Il y a une pasteur que j'ai suivie hier sur TikTok qui disait que, il faut faire attention. Le pasteur Marcelo Tounassi a sacrifié sa femme lui-même. Cette histoire qu'on avait dit. Il y a une vidéo de ça ici. Oh. Le pasteur Marcelo Tounassi aura-t-il sacrifié sa femme comme Makoso? Allez regarder la vidéo là. Vous allez écouter les gens qui ont parlé là-bas. Et le pasteur là, il est pasteur aussi, hein, que j'ai suivi. Il a dit que il faut ouvrir les yeux. Le pasteur là, il a sacrifié sa femme. Il savait tout. Et la femme là, je ne sais pas. Vous avez écouté le pasteur dire qu'il savait. Le pasteur que j'ai suivi là disait même que non, l'esprit de la dame était sorti et puis venir vers lui, lui parler, lui dire tout ça. Et puis il a de preuves. Il a de preuves. Moi, je vous assure aujourd'hui là, hein, je vous assure que vous allez maintenant commencer à voir des pasteurs et prophètes et prophéties de la mort de cette dame. J'étais assise étonnée par terre de voir la grandeur de la femme auprès de la RDC. Le président et sa femme se sont présentés. J'ai dit, what? Voyez, la grandeur de ce pasteur Marcelo Tounas. Parmi ça aussi, il y avait des gens qui critiquaient, qui disaient, j'ai suivi plein de vidéos sur TikTok et sur Facebook, j'ai suivi plein de vidéos, plein de critiques qui disaient que, c'est la femme du pasteur qui est morte. Mais regardez comme elle est accueillie au pays. Regardez la deuil. Même le président de la République est venu. Vous pensez que c'est pour rien? Tout ça, j'ai regardé sur Facebook. J'ai regardé un peu sur TikTok. J'ai regardé sur Facebook. Aujourd'hui, là, vous allez nous donner vos avis. Vous allez nous dire vos avis dans cette histoire. C'est comment? Dites-nous, qu'en pensez-vous de cette histoire? Pensez-vous que ça peut être Bibi? Pensez-vous que le pasteur Marcelo Tounassi aura pu sacrifier sa femme? Pourquoi? Parce que le pasteur là, il est déjà connu, non? Pasteur Marcelo Tounassi, vous ne connaissez pas. Mais c'était l'un des plus grands pasteurs en Afrique même. En Afrique même. Mais il va sacrifier sa femme. Pour quelles raisons? Pourquoi? Là, ce sont des questions. Ce sont des critiques qu'on écoutait, que moi personnellement aussi j'étais assise à écouter. À écouter les autres gens parler, à écouter les critiques, à écouter les condoléances et tout, et tout, et tout, et tout. Et je suis sortie pour vous demander de nous donner vos avis, une fois encore de plus, de nous donner vos avis, de ne pas critiquer, de ne pas mettre trop des organes dedans, car un jour la vérité va sortir. Je dis toujours, je répète encore que les seconds dans les dieux, c'est le temps. Alors on est toujours ici. Que Dieu nous donne le souffle de vie. Et la force, un jour, on va dire, Elios Trezo, dont la vidéo est intitulée ainsi, ainsi, comme l'un de nos abonnés m'a rappelé. Elios Trezo, dont la vidéo est ainsi, ainsi, tu avais dit ceci, cela, non. Voilà. Et aussi, dans la vidéo de Kim, là où j'ai dit que moi, je pense pas que Kim ira. Vous voyez, les gens me donnent raison maintenant que non. Elios Trezo avait dit raison. Elios Trezo avait raison même. Désolé, ma langue, le français m'attrape. Elios Trez avait raison de dire que Kim n'ira pas. Et effectivement, Kim n'est pas allé. Pourquoi? Parce que j'ai donné les analyses là-bas. Allez regarder nos vidéos de la semaine passée. Regardez, non. Je suis trop occupée ces jours-ci. Il n'y a qu'une seule vidéo par jour. Alors, il n'y a pas to miss. Il n'y a pas. Parce qu'on fait plus de 2, 3, 4, 5 vidéos par jour. C'est une vidéo par jour. Alors, vous avez tous les temps d'aller suivre nos vidéos depuis la semaine passée et d'écouter les analyses d'Elios Trez là-bas. Et surtout si vous êtes nouveau ici. Voyez, alors, pour maintenant, pour l'instant ici, on vous remercie. On vous remercie d'avoir été ici à nous suivre à ce moment. Peu importe l'endroit où vous êtes, peu importe qui vous êtes, on vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Donnez-nous vos avis dans les comment section. Dites-nous, qu'en pensez-vous? Et si vous êtes nouveau ici, vous nous avez découvert à partir de la vidéo ici. Faites-vous abonner ou ne sortez pas complètement sur YouTube. Ne sortez pas sur votre téléphone là sans se faire abonner. C'est interdit, comme j'ai dit, exclusivement interdit de sortir hein, d'ici sans vous faire abonner. Et tous ensemble, cliquons sur la cloche de notification. Nouveaux abonnés, anciens abonnés, cliquons tous sur la note de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et on dit au... Oh,
de commenter, mais d'aimer aussi la page. On peut être stingy comme ça. Vous n'aimez pas aimer la page, c'est notre page à tous. C'est pour cela qu'on laisse les comment section pour qu'on discute, pour que vous nous donnez vos avis. Il y a d'autres chaînes là où les commentaires c'est bloqué. Quand ils parlent et là comme ça c'est fini, ils bloquent les commentaires. Vous n'avez même pas le droit de vous exprimer là-bas. Mais ici on laisse les commentaires pour que vous vous exprimez aussi. On a dit cette chaîne ici, c'est pour vous et nous. C'est pas seulement nous-mêmes. Vous voyez, mon manager m'a fait les cadeaux. Vous voyez. Vous pouvez aussi aller là-bas aimer. Vous pouvez aussi faire AliExpress les cadeaux. Aller sur le petit cœur là qui est en dollars là. Faites les cadeaux à AliExpress. Vous voyez, c'est ça. Donc, on grandit ensemble. Voilà. Alors, merci aux guetteurs. Merci aux nouveaux venus. Merci aussi à nos abonnés. Alors, on se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, que vos gros bisous. Des gros bisous, c'est pour nos abonnés. Gros bisous. Et on se dit ciao. Bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.